un ami du Québec. Ajouté en tant qu'ami. Alors, je t'ai envoyé une demande d'ami normalement. Vranx. Du coup, on va avoir un peu des horaires décalés, mais vu que je joue tard le soir en général. Alors, je stream principalement. J'ai les trois créneaux qui sont assurés, c'est de 18h, de 16h à 22h. Donc, du coup, sur le chrono, sur le chrono horaire de la France. Alors, que c'est quoi? Mais comment on fait pour se parler? Tu peux parler dans le chat IG. T'as le chat IG. Moi, je vais pas passer sur TS ou Skype pendant cette partie. Je vais rester sur, comment dire, sur le Twitch. J'ai pas envie que ça spamme non plus le canal Twitch. Alors, le cochon vaincra. Alors, si c'est une personne du stream, elle doit dire citron sorbet en arrivant, normalement. Si le cochon vaincra est une personne du stream, elle doit répondre. Alors, normalement, tu peux rejoindre directement une partie de quelqu'un en cliquant clic droit et rejoindre la partie, normalement. Mais je vais inviter la faucheuse. Et attends, tu voulais que j'invite Rochefort. J'ai invité Rochefort également à la partie. MVP. Ok, c'est quoi ça? La faucheuse est là. Ah oui, Perrine. Attends. Ah, j'ai marqué mot de passe. Parce que là, il y a déjà beaucoup de monde là. Je sais pas si c'est normal. Alors, qui va dire citron sorbet? C'est ça la question. Citron sorbet, c'est bon. La faucheuse est présente. La faucheuse est présente dans la game. Alors, je sais pas si vous êtes présent dans la game. Parce que là, j'ai l'impression que Rochefort, du coup, est pas dans la partie. Qui est sur le stream? En vrai. Mettez votre pseudo sur le stream, sur le, comment dire, sur le chat du stream pour savoir si c'est vraiment vous qui êtes dans la game. La Punzo. La Punzo est sur le stream. J'ai pas vu de message de la Punzo. De Louis Pro. Ok, en fait, ça a l'air d'être des randoms qui ont pas compris que la Punzo. Je pense qu'une VP c'est pas un vrai mec. Hein. On va le kick. Perrine. Est-ce que Perrine fait partie du stream? Alors je vais réinviter par contre. Je vais réinviter Rochefort. Je crois qu'il est pas dans la game. Semog. C'est qui Semog? Ok, ça marche. Ça marche, Franck. Alors on va faire ce qu'on appelle un freaky draft. C'est en gros tout le monde va ban deux civilisations. Donc deux civilisations cheatées. Et je vais faire un. On aura chacun un numéro. Et vous serez la. Comment dire? Vous serez la personne en conséquence de votre numéro de team. Donc là, moi, par exemple, je suis la team 1, 2 et 3. Ça va générer automatiquement trois civilisations pour chacun. Et vous pourrez choisir celle qui vous correspond le plus. Sebog, t'es sur le stream? Je sais pas si c'est Mug est là. Sait pas trop en fait. Les gens ils rejoignent sans vraiment savoir en fait. Alors le cochon vaincra. Je crois que je t'ai pas en ami du coup. Si je dis pas de bêtises. Donc, il faudrait peut-être que tu m'ajoutes Steam, comme ça, si jamais ça bug, je peux te réinviter après. Alors, la question c'est, est-ce que vous avez au moins, on va dire. Ok, c'est Mog ne faisait pas partie de la partie. Okay. Est-ce que vous avez au moins 3 heures devant vous pour au moins finir la partie? Rochefort est là. Le cochon vaincra, déconnecté. Je pense que le cochon vaincra, c'était pas une personne du stream en fait. Je pense pas que c'était une personne du stream. Il y a combien de viewers actuellement? Il y en a 7 viewers.
Ça charge chez moi. Alors, est-ce que je peux inviter d'autres personnes? D'hérotype. Alors, je sais que d'hérotype, c'était une personne pas trop mauvaise. Citron et je sais plus la suite. Oui, non, mais oui, c'est ça. Citron sorbet, c'est le mot de passe de Poudlard, quand même. Pour aller voir Dumbledore. Vladimir Mayakovsky. On va voir si c'est dire le mot de passe, Vladimir. J'ai marqué mot de passe. Mot de passe, Vladimir. C'est mug, mais c'est. J'ai écrit en anglais. It's... Ok. Benoît. Non. Ok. J'ai pas vu le message. Benoît, fais partie du stream ou pas? Désolé, en fait, je peux pas venir. Je risque de devoir live avant la fin. Après, c'est, ça va être un début de game. Donc, ça dépend combien d'heures. Si t'as au moins 2 heures devant toi, c'est bon. 2 heures, ça permet au moins de bien commencer la game. Banque. Si t'as 2 heures, c'est bon. Le cochon vaincra. Cochon vaincra. T'es sur le stream? Qui c'est qui manque en fait? Une prochaine peut-être. Allez. Nice. Si c'est bon, ok Benoît, ok c'est bon. Du coup, on va partir sur aléatoire. Du coup, je vais juste check les DLC. Ok, lock all, I check DLC. Ok, on va faire une petite partie du coup avec. Alors, je sais pas qui est qui. Le cochon vaincra, je sais pas qui c'est non plus. On a au moins la faucheuse et Rochefort qui font partie du stream. Franck, du coup, on jouera une prochaine fois. Donc tu désinstalles. Alors il me semble que c'est possible de d'avoir le NQ dans un dossier et d'avoir le normal d'un autre. Comme ça tu peux switch entre les jeux, entre les versions, en installant une première fois ton civilisation par exemple dans le disque C et l'autre dans le disque E par exemple. Et du coup ça te permet d'avoir la version NQ et la version normale sans avoir à switch. Rushford, il faudra que tu lock, que tu mettes prêt et je vais juste lancer le check DLC. Less than 50 ms. Ok, donc je vais vérifier que tout le monde a bien les DLC. Donc je mets le Maroc. C'est bon pour tout le monde. Je lance la Corée. C'est bon. Les Zoulous. Ils sont où les Zoulous? Les Zoulous, les Zoulous. Hop. Ok, tout le monde a les DLC, on est parti. Dirigeant aléatoire. Good luck, have fun. On va voir ce que ça donne. On va voir quelle civilisation et quelle start sont chopes, surtout. Alors, on va peut-être essayer de jouer agressif. Parce que c'est des joueurs, on va peut-être pouvoir faire un rush. Le problème, c'est que si j'attaque quelqu'un du stream, il va sans. Il peut stream hack quand même. Il peut se dire. Alors après, est-ce que la personne a 6 spectateurs? Ok. Vous pouvez suivre, si jamais vous n'êtes pas en double écran, vous pouvez suivre depuis votre portable le stream pour vraiment avoir un œil sur ce que je fais en même temps. Ok, on a Pierre 2, donc du coup, un mec qui est basé sur la culture. Ok, donc là, ça va être compliqué de gagner à la culture vu que c'est des vraies personnes. On peut essayer pour le trip. Ce que j'ai fait, ça fera une. Comment dire? Ça pourra faire une vidéo de multiplayer culture, mais c'est très très difficile, surtout dans. C'est pas le mode NQ, donc ça va être extrêmement dur. Et je pense que les personnes pourront roncher la science plus vite que. Avant même que je puisse réussir à convertir quelqu'un. Donc là, on a un start bien pourri.
On a zéro ressource, on a full jungle. Full jungle, c'est le pire départ possible parce que c'est vraiment lent à s'en sortir. Ouais, j'ai pas tenté la culture, je pense pas. Hein. Alors, en face, on a quoi? En face, on a la France, qui est jouée par Georges. On a. Ah, attends, il y a un bug. Ok. Bug. Two... Two men is the state team. On va tout gérer. We have to remake. Il y a deux personnes dans l'équipe 5. C'est bien joué. Bravo. Bravo au le cochon Vaincra et Georges machin. On va recréer la game. Bravo à nos champions. Bravo à nos champions qui se mettent dans la même équipe. Bravo. Les joueurs du multiplayer. J'ai même pas fait gaffe tellement ça me paraît évident. Mais le cochon Vaincra a décidé de. En fait, je sais pas si c'est une strat pour pas tomber sur le Maroc et les Songhai et tout ça, mais. Alors. Sozuke NGC FR Remake. Je vais mettre Sozuke NGC Remake. Ok, on est parti en Pangée. Je vais enregistrer ce truc-là. Pangée plus, c'était pas mal. Hein. Non. On va regarder sur Pangée. Petite, rapide, 4 milliards, simultané. Et équilibre légendaire, équilibre stratégique, pardon. Et chronomètre tour, on est parti, j'héberge la partie. J'invite mes poteaux, à savoir la faucheuse et Rochefort. Et il y a le cochon Vaincra qui est Rola. Donc je sais pas qui c'est le cochon Vaincra, si c'est la faucheuse ou Rochefort. Je pense que c'est la faucheuse. Je pense que c'est la faucheuse. Ouais, j'ai vu que quelqu'un avait les Mayas, ouais. C'est craqué les Mayas. La faucheuse est revenue, donc là, mais je sais pas qui c'est les cochons vaincras en fait. Donc Kelvin est revenu, on va expliquer à Kelvin. Kelvin, it's a stream game. C'est Mog aussi. You have to play at least 2 hours. Are you okay with this? Je sais pas si Kelvin fait partie du stream en fait. Rochefort, pense à mettre immortel avant de lock. Yes, but have it my in friend if something happened. Comment je fais pour l'ajouter en ami, Bobby? How can I do that? Ami on Steam. Je vais mettre plus.tv Suzuki NGC. On a 34 giveaways, donc on a gagné 3 depuis le début de ce stream, on était à 26 ce matin, c'est bien. Georges est revenu, Georges come back, donc lui il est bon pour les DLC. Alors est-ce qu'il m'a ajouté la faucheuse, m'a envoyé un message, yo mon pseudo Twitch c'est Last No contre Steam avec mon bro, ça marche, mais je te voyais pas sur le, j'ai pas vu poster en fait la faucheuse sur comment ça s'appelle, sur le chat, c'est pour ça en fait je savais pas d'où tu venais. Mais j'ai vu que tu m'avais ajouté en ami donc. Au moment qu'il reverse les droits d'auteur. Voilà. Et voilà. Got kicked first you try. What? Alors 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Je sais juste les DLC. Encore une fois, au cas où Kevin les a pas. C'est parce que c'est plus MM. C'est plus matchmaking. Qu'est-ce qu'il me reste? Juste où je check la Corée. Ok, ça a l'air bon. Try to enter a game several times. Two player was on the same team. That was.
That's why we remake it. I saw that. So, on y va. C'est parti. On a 6 spectateurs. I was thinking about joining the remake. Ok. Donc cette fois-ci, on tombe sur quoi? Les Polonais, j'espère. Histoire de faire en douceur. Bonne chance. Merci, Lasno. Ah ben voilà, Lasno, c'est ça. Fait, si, je t'avais venu, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas compris ton pseudo comme ça, je crois. Alors, ah bah le Marocain, voilà. De toute façon, on a perdu parce qu'il y a le cochon vaincre en face et c'est pas possible. On se counter direct. Direct, on se counter par le cochon vaincre. Je crois qu'on peut FF direct. Je pense que c'est mort. Je pense qu'on est condamné à perdre. Allez, on a le Maroc. Maroc, qui sont pas dégueulasses, qui sont mid-tier, je pense. Plutôt axé liberté, plutôt axé monnaie, plutôt axé guerre. Du coup, on va partir là-dessus, je pense qu'on va partir sur liberté tranquillement. Alors, on va voir un peu ce qui se passe autour de chez nous. Deux pierres précieuses, c'est pas mal. Alors, les alliances, tu peux t'allier avec quelqu'un, mais ça doit pas être prédéfini en fait. Oula, il y a tout le monde qui est là. Je sais pas si tout le monde est là. Alors, on va continuer de check ce qu'il y a autour. Oh putain de merde! Oh mamma mia! Oh putain de merde! On a les 4 pierres précieuses. Je pense qu'on va se déplacer vers à côté de la montagne et choper tout ça. Et là, on sera plutôt pas mal. Alors, la question c'est, on est en liberté. Oh là 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 là, c'est sale, c'est sale, 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 sale. Alors, est-ce qu'on se met là? It's ok. It's ok. Je sais pas si je me mets là ou pas. On va aller là, allez. On peut aller à côté de la montagne, mais on est en liberté. On pourra faire une autre ville là-bas. Donc là, on est vraiment bien. On a vraiment des. Un start, mais de baiser, comme on dit. On part sur l'éclaireur, toujours. On favorise la production, comme d'habitude. Et on se place, du coup, ici. Et on choisit la poterie parce que là on va essayer de rush pierre précieuse. En fait j'attends ton stream et je le vois pas du tout pratique pour stream talk. Alors pour stream talk, au pire tu peux je vais te parler du coup je pense. Ok, je vais parler là. Je vais parler en même temps. Alors on est parti. Alors là on a que 30 secondes pour jouer. On va essayer de jouer assez rapidement. Donc là on va essayer de rush du coup les pierres précieuses qui vont donner plus 2 de fois par pierre précieuse donc c'est pas mal. En espérant que quelqu'un qui est sur le stream va pas me juste me faire un rush religion pour me la voler, ce serait assez bâtard. Bon après ça reste des pierres précieuses, ça reste quand même assez fort donc c'est pas non plus très grave si on le chope pas. Donc là on va jouer plus safe, on va pas trop partir avec notre guerrier. On va rester à check un peu ce qu'il y a autour. On a pas mal de jungle par contre, et pas mal de forêt, donc ça va un peu nous ralentir un peu dans la production, mais c'est pas très très grave. T'as pas mangé toi ce soir encore? Alors on a du cuivre, peut-être pour une deuxième ville ici dans le coin. Peut-être une deuxième ville qui peut prendre le. Peut-être plus une ville vers le bas et faire une ville ici. Voire une ville là qui serait côte montagnée. Alors, est-ce qu'on va voir par là? Je pense que là, on voit une montagne ici, donc là, ça doit être la fermeture.
Du coup, on va partir vers. On va voir ce qu'il y a un peu. Si on peut aller par là, quand même. Oh putain de merde. On a un cinquième. Un cinquième truc. Alors, est-ce qu'on est à côté? Ouais, on est à côté, Rushford. Du coup, je pense qu'on va se mettre sur la gueule, hein, je pense. Plus t'es les Romains, donc t'es assez fort early. Ça va être un peu chiant. On va partir sur un monument historique. On va jouer en liberté, nous. On va aller piquer les villes à Rushford. Yep. Allez, une cité-état de foi, ce serait cool. Non, Budapest, dommage. Dommage, dommage. Serment de protection, on a gagné un de pop. Donc là, il s'est positionné directement sur un de pop. Ça fait chier parce qu'on peut pas tout de suite prendre ça. Du coup, on va prendre le mouton. On va mettre un peu de temps à choper notre. On n'a pas plus 2 en fait. Falloir attendre un. Ah bah si, on a ça. Ok, nous voici. Ok, c'est bon. Encore une pierre précieuse en haut. Attends, si on chope notre religion, on est pas mal niveau foi là. Hein. C'est pas mal. Ok, il n'y a vraiment rien ici. Donc là, on va essayer de rester à peu près autour. Alors, une autre cité, Panama. Donc il y a des pierres précieuses, donc ça sert un peu à rien d'être ami avec eux. On va finir de couvrir ça, voir s'il n'y a pas une ville en haut. On prend les poneys, parce que là on a besoin un peu de meilleurs casques que ça là, pour bien démarrer. Le problème c'est qu'on a besoin de. Il faudrait choper la banane là. Ouais, c'est bien, dans 4 tours on prend ça, donc c'est pas mal, pas mal, pas mal. Donc là en multiplayer tout change en fait, toute notre vision de jeu. C'est dommage, tu vas déjà mourir. Ouais, c'est possible. Possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Une ruine antique en plus. Ok. On va voir ça. Alors, ok, donc là c'est pas la fin. Donc là il y a une ville en supplémentaire à faire dans le coin. Avec une ressource de luxe unique qu'on n'a pas, qui est la truffe. Il faudra. Là, on a de la production pour faire la pyramide. Là, là on a de la production. On n'a pas forcément beaucoup de. Il faudrait choper une petite. Pas mal, pas mal. On chope ça avant quelqu'un, peut-être. Carte rudimentaire des environs. Donc là, on a le Shoshone en bas. Oh, c'est pas cool ça. Le Shoshone qui est qui? Je sais pas. Je sais pas qui c'est le Shoshone. Est-ce que c'est un mec du stream ou pas? Le Shoshone, c'est inconnu. Je sais pas qui c'est. On a Gandhi, on a les Aztèques. Ok, il y a des bonnes cives dans la partie en tout cas. Les Shoshones sont vraiment très forts. Le problème, c'est que là, le bas est déjà pris normalement par le Shoshone. Donc on va passer par là. Ok, une ruine pour nous normalement. On passe par là. Ok, il y a un désert en haut, c'est pas mal. C'est pas mal là, il y a une bonne ville. Une très bonne ville avec un désert et un oasis. Donc très très fort early, avec des cases de cervidés à côté. Yop, Aridros. Bienvenue sur le stream. Donc là on n'est pas. Le titre du stream est pas bon, faut que je le change. Là on est parti sur une partie multiplayer parce que j'ai bugué en plein guide. Du coup fail. Oh merde j'aurais dû. Ok c'est pas grave. On visite en bas. On prend la ruine, on chope quoi de la population? Ok, des traces de barbares. Génial. Alors je découvre un camp barbare juste à côté de moi. Comme si je l'avais pas vu. Là du coup on va prendre la banane. Et on va la prendre. Alors on va enlever ça. Et on va prendre ça. Hop là. Donc il vient nous voir, le petit garçon. On part sur l'hôtel. Ouais, ça va, j'ai pas mal. On a chopé quoi? On a découvert l'élevage. Non, il restait genre un tour, je pense. C'est moche. Ok, on est parti sur liberté. Du coup, comme prévu, on part sur exploitation minière parce qu'on aura besoin pour construire. Tous nos trucs. Là, c'est un peu la merde parce que on se fait encercler par un peu les barbares. On va essayer d'aller choper
Un petit ouvrier en haut là. Encore une ville en haut. Allez, on va retourner par là-bas. À 11 tours pour ça. On adopte une religion. Hop et hop. Bon, toujours pas d'ouvriers dans ce côté-là. On va aller voir en bas plutôt. Alors, ce serait marrant qu'en fait ça fasse une petite péninsule. Ah ouais, en fait là c'est un lac, donc ça veut dire que ça continue. C'est nickel ça, c'est nickel. On a des villes possibles là, par contre on va se battre un peu contre Rome là qui doit être par ici là. Donc lui c'est. Ah c'est Kelvin, le chouchoune. Il est parti sur Liberté aussi, donc ça va être là un peu la guerre des. La guerre de position là. On va pas pouvoir faire beaucoup beaucoup de villes je pense. Salut Alex Song 25-0 Hong. 250 NG plutôt. Donc pas encore pas de. Ok, on part par là. Ok, du blé encore. Ok, donc là on a une super ville, je pense. Genre ici. Ici on a une bonne ville avec pas mal de cervidés. 3 cervidés, plus un blé, plus un truc qui pourra être relié à la mer vers Marrakech pour faire des routes commerciales. Là, on va partir sur le grenier. Et là, on va choper dans 6 tours. On va partir sur la maçonnerie. Là, on n'a pas le choix. Si on fait, si le chouchoune nous pète le truc, on va vraiment beaucoup miser là-dessus. Alors. J'aimerais bien aller visiter par là avec, avec mon mec. Le problème c'est qu'il y a pas mal de jungle de toute manière. Putain, faudrait que j'arrive à choper sans j'ai resté en garnison avec mon éclaireur pour vraiment choper un ouvrier tard. Je suis déjà le dernier. Mais ça veut rien dire le début. Le début veut absolument rien dire. Je te rassure. Alors là on a un truc comme ça. Alors je vais le rentrer à la base. Tant pis. Et on va voir un peu ce qui se ramène par là. Un blé en plus, voilà, oh là, cette ville elle est pas mal. Hein. Cette ville est vraiment pas mal. Ça fait quand même. On la met ici. On la met ici, pardon. 1, 2, 3, par contre. 1, 2, 3, ouais. On chope quand même 2 blés et 3 cervidés, ce qui est vraiment énorme. Plus un oasis. Cette ville-là, elle aura beaucoup de pop, pas beaucoup de production, par contre. Donc c'est dommage pour une ville. Pour une ville comme ça, par contre. Les villes de liberté, c'est pas forcément la nourriture qu'on va chercher, c'est plutôt la production. Mais pour là, si j'aurais démarré sur ce spot-là, clairement je serais parti tradition. Malgré que je joue. Donc là, on va régénérer un peu. Hop. Donc là, on a vu un peu ce qui se passait autour de chez nous là. Donc là, on va assurer, on a un multiplayer, on va pas prendre de risques. Il faut juste pas que le Shoshone part trop agressif, en sachant qu'il. Lui il nous fait une ville, il nous prend toute la map. Hein, il est sans pitié. Alors on va mettre la grille quand même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, on chope bien ça, ça et ça. On a 4. Du coup, on va repartir par là avec lui. On va rentrer notre ouvrier là. Donc là 5 tours avant l'hôtel à Panthéon fondé. Ok, du roi. Je sais pas qui a fait ça. Qui est parti aussi vite sur la religion. Panthéon inconnu, on sait pas. C'est pas le chouchoune en tout cas. Non, il n'y a pas les Celtes. Non.
Après, ça peut être une merveille de fois. Ça peut être une cité de fois. Qui a pu pouvoir rusher aussi vite. Alors, on met ça là. On défend ça. On va essayer d'aller par ici. Avec lui. Ok, il y a l'ouvrier. On est bien. On est bien Tintin. Dans 4 tours, on a notre colon. Donc, on va l'assurer où? C'est ça la question. Alors, je pense qu'on va plutôt l'assurer par ici. Hein. Malgré que ce soit Bobby, le nord a l'air d'être pour nous. Le nord est free pour nous, pour nos settlers. On pourra mettre également une ville par ici. Ce sera intéressante avec un marbre. Tout ça, tout ça. On est vraiment bien. Là, du coup, on fait quoi? Peut-être faire une caravane. Commencer une caravane en tout cas. Un éclaireur, ça a pas l'air ouf. On va faire un... Non, on va faire un guerrier. On va faire un guerrier. On va récupérer ça. On fait la paix avec Budapest. Et on va aller taper un peu le guerrier. Sur le territoire de Budapest. Hop. Et là, du coup, on va partir sur les pyramides. Donc 18 tours pour l'instant, mais c'est parce qu'on n'a pas le, on n'a pas notre quatrième pop. Dès qu'on aura 4 de pop, on va partir full production sur notre capitale et on ira détruire une forêt. Parce que là, il nous faut absolument, absolument cette merveille. On prend travail du bronze en espérant choper du fer. Donc plus de production. On va avancer avec Bobby. Ne rien faire. Ok. Alors, au-dessus des moutons, il y a une ruine à côté du marbre. Oui, j'ai vu. Mais il y a tout à l'heure, il y avait un... Comment dire? Je l'ai vu, mais il y avait un archer dessus. Et il y a ça et ça. Donc si je commençais à trade avec l'archer, il sortait du camp et me détruisait mon guerrier. Donc je préfère laisser la ruine pour le moment. De toute façon, en nord, il y a l'air d'avoir personne. Donc c'est pas très gênant. Alors on prend l'XP avec le guerrier. Donc, on fera régène dans la capitale. Et là, alors. Là, on a 4 de pop, ça y est. Donc là, on a plus 3 de pop. Donc on va pouvoir mettre à fond. On va mettre vraiment à fond dans la production. Neuf tours. On est passé à 9 tours pour construire la pyramide. Donc là, pourquoi on est à moins 1 du coup? Il nous manque un de prod. On va faire ça comment? On est à 11 tours. Là, on va détruire ça. Merde, j'ai pas eu le temps d'appuyer. Plus trop de temps. Donc là, on va détruire ça pour gagner du temps. Alors, le temple d'Artémis a déjà été fait du coup. On prend le colon gratuit. Et on prend plus 2 pour les pierres précieuses et perles. Et c'est bon. On a notre religion. C'est rocher. Le cochon vaincra. Lol. Qui a eu ça? Ah, temple d'Artémis, c'est pas Rushford. Bravo. Bravo, Rushford. Il a rush. Alors, lui, on va partir où? On va partir sur le côté avec lui. Bah, du coup, je pense qu'on va quand même partir assez vite là, avec lui pour prendre la ville. Il faut pas que Rochefort nous le prenne. Rochefort, on lui fait pas de cadeau, il est sur le stream. On lui fait pas de cadeau. Faut qu'on place notre ville à peu près ici. Puis je sais que Rochefort il veut pas trop faire la guerre, il aime pas trop ça. Donc allez, pyramide dans 8 tours. Est-ce que quelqu'un va pouvoir le faire avant nous? On sait pas trop. Il est parti sur liberté aussi, le petit.
J'ai justement besoin d'un ouvrier. Bah, il est protégé par mon guerrier, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses faire? Surtout m'attaquer dans la forêt. Un ouvrier fera pas de mal. Bah ouais, essaye toujours. Là, c'est un peu chiant ce qui se passe. Il est parti aussi liberté, il a joué. Il veut jouer malin, il veut jouer filou, le petit garçon. Mais là, je pense que. Ouais. Alors, est-ce qu'on lâche le spot ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Recul, c'est un conseil. Ok, je vais reculer, hein. On va aller en haut, c'est pas grave. C'est pas grave, on va aller en haut. Voilà. On a notre ville, il peut pas la faire à côté du coup. Ok. C'est pas grave, j'ai un peu une ville poubelle, mais bon. Au moins ça le fait reculer. On a cette zone là qui est pas mal. On va prendre ça. Et là, avec notre ouvrier, on va construire la pierre précieuse parce qu'il nous faut du bonheur. Alors, cette tour, on fait le monument historique. La ville poubelle, ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas le choix là, je dois assurer mes villes. Je suis parti en liberté, je dois l'assumer. Il y a le chouchoune en plus en bas, donc. Alors, technologie, vite, 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 on part là-dessus. Tour suivant. Alors, est-ce qu'on a chopé. Pas grand-chose. Ok, là-dessus, 6 tours. 6 tours pour les pyramides. Si on les a pas, c'est la mort. Alors, il nous faut combien pour la truffe? 40, bah, ça se débloque toute seule de toute façon. Alors, est-ce qu'il a les sous ou pas? Il a combien de sous? Il a 88, hein, il pourrait acheter deux cases d'un coup. On va l'acheter au prochain tour, on n'a pas le choix. Sinon, il pourrait faire sa pute et nous acheter la truffe. Et j'ai au moins besoin de cette case-là. Sinon, on va être vraiment à côté, quoi. On va vraiment être collé. Alors, on va construire ça. Cinq tours. Le problème, c'est que là, vu qu'on a construit notre deuxième ville, on est en malus bonheur. Ouais. Alors, j'étais en guerre pour lui prendre ce ouvrier. Au-dessus du mouton, ok. Pourquoi tu étais en guerre avec. Ouais, j'aurais pris un ouvrier. Early. Du coup, bah, j'ai fait la paix directement, mais je suis du coup en colère. Ils sont en colère contre moi, j'aurais voulu un ouvrier, c'est normal. Mais bon. Allez, il nous faut absolument le. Les pyramides. Si on n'a pas les pyramides alors qu'on a enlevé une forêt, qu'on a mis notre. Notre production en attente, ça ferait mal au cul. Il a 2 villes, 7 de pop, nous on est à 5 de pop. Comment ça se fait? Il a déjà sa ville level 5, donc je pense pas qu'il est parti sur les pipis rapides. Aller voir un peu ce qui se passe par là. Notre ouvrier, alors il peut rentrer à la base donc il est safe. Nous faut qu'on régène, il est en train de régène, c'est bon. Ouais.
Toujours faire des scouts, là j'en ai fait qu'un parce que je suis parti en liberté, donc j'ai besoin de faire les monuments historiques et rapidement, rapidement la pyramide. Mais normalement, il faut faire des éclaireurs pour... Que fait cet ouvrier de Panama ici? Que fait-il? Ok. On va pas le prendre parce qu'on a une pyramide normalement qui arrive dans 3 tours normalement, donc... Oh putain, je suis toujours pas en bonheur positif. Aïe 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 Alors comment ça se fait qu'il a 59 secondes lui tout seul là? Trois tours avant la pyramide. Est-ce que quelqu'un qui stream hack sait qu'il va avoir la pyramide avant moi? C'est la question. C'est la question. Trois tours, c'est beaucoup trop. Ouais, c'est beaucoup trop, ouais. Tour 30, ouais, j'ai... Pour l'instant, pas de pyramide en vue. Ah, les petites putes, on va rentrer notre ouvrier. Oh putain, j'aime le faire. C'est une colline, ça, on est d'accord. On soit d'accord, c'est une colline. Ok, donc il peut pas avancer d'un coup. On choisit la construction. Qu'est-ce qu'on va choisir? Accord proposé. Partir sur des archers, là, peut-être falloir se défendre contre Bobby. Il a l'air malin, ce petit Rochefort là. On voit même pas sa ville à cause de la. Alors, j'ai pas eu son accord à Bobby. Prochain tour, accepter l'ambassade. Allez, j'accepte l'ambassade. On va voir s'il est en train de construire la pyramide ou pas. Non, il est juste en... Non, s'il a fait le temps d'Artemis, c'était impossible qu'il fasse ça. Donc, on était tranquille. On va partir sur. Partir là-dessus. Bon, j'ai juste envie de voir ce qui se passe par là, quoi. Putain, c'est que de la jungle. Ok, Antium est là. Alors les pyramides c'est bon. Tour 33 c'est raisonnable. Et là on va pouvoir commencer à progresser. Ensuite. On va vraiment maximiser là-dessus, nous fallait absolument ça. Et après là on va vraiment exploser parce qu'on aura les ouvriers gratos. On va faire un colon en plus. On va peut-être attendre d'ailleurs un tour. Peut-être, je ne sais pas. On va voir un peu ce qu'il fait le petit Rochefort. C'est quelle heure là? Minuit moins 10. La pyramide normalement. Yes, c'est bon, on l'a. We did it. Alors, on va envoyer. Donc là, il faut qu'on repasse bien au niveau de la bouffe. Pour vraiment se développer, on va créer ferme ici et on va les créer également. On va envoyer un mec là. Qu'est-ce qui se passe par là? Il y a Kazil. Ça me fait gagner 32 gold, c'est raisonnable. J'ai limite envie d'acheter une case là, mais bon. Un peu chier. Donc là on est bien cover, il n'y a vraiment que Bobby Lamonas qui va. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore rien acheté. Je suis un sac. Elle n'a même pas mis favoriser la production. Là on est à plus 2, on va garder plus 2, j'ai pas envie trop que ça se développe trop vite. Et on va partir sur sur un grenier. Et là, notre menace vient directement de. Donc là, il peut passer là. Et là, il y a l'éclaireur. Ah, il y a Venise dans la game. Putain, le mec, il a Venise et il a pas demandé un remake quoi. Non, Venise, ça peut pas gagner. Hein. Normalement, si on n'est pas trop trop mauvais. Fais ce que tu veux.
Est-ce que je crée un colon en plus? On va créer un colon. On va créer notre troisième ville rapidement. Hop. Choisir une technologie, on part là-dessus. On va relier une route assez rapidement. Il va falloir faire des caravanes bientôt aussi. Donc là, on va perdre un colon normalement. Ils vont en attaquer un, mais on va le détruire automatiquement si tout va bien. Voilà. C'était prévu. Hop. Et normalement, on le reprend. Alors, est-ce qu'on peut même rendre l'unité pour gagner 45 à Budapest? Mais on va enrôler l'unité, on va pas leur rendre. Ça coûte beaucoup trop cher. Hein. En valeur. On envoie ça là. Alors, il m'a acheté le bétail. Vas-y, renvoie. Alors, Rome est toujours level 2. Faut faire une petite ville en haut là. Genre on avait dit ici. Ici elle est parfaite. On n'a toujours pas fait ça. Alors on a une doctrine avec un ouvrier en plus. Et les ouvriers qui construisent beaucoup plus vite. Lui, il va aller par où? Il va commencer une route, je pense. Il va commencer une route. Je crois que je vais aller là en fait. Je vais faire le fer. Et là, on va partir sur. Faudrait que je parte aussi sur le. On va détruire le truc. Putain, je pourrais même lui péter ça si je voulais. Mais... On va la jouer sympa. On va prendre de la visu. On va s'attendre. Alors, est-ce qu'il y a des followers en plus depuis? Est-ce qu'on est passé à 35 peut-être? 35 followers ou pas? 34 toujours. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore follower et que vous followez, quand il y aura 50 followers, vous aurez une chance de gagner 5 euros. Soit comme vous voulez, soit en PayPal, soit en Riot Points, soit en Steam Game, comme vous voulez. De quoi j'ajoute sympa, ouais. Moi j'ajoute sympa, je vais pas trush tout de suite quoi. Je vais te laisser un peu de temps. Que tu prennes assez de merveilles dans ta cité, Rushford. Alors en un tour on enlève la forêt, c'est cool. Du coup là, on enlève ça. Il était en attente d'ordre. On va commencer à avancer vers là. On va passer par là pour, je pense, que ça a l'air plus court. Il était en attente d'ordre. Ok, on régène. Et là, avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la route vers ma deuxième ville. Alors, route vers là. Et lui, route vers là. Alors, nos colons, c'est bon. Il y a Stonehenge qui a été construit. Donc, il y en a un qui veut faire une bonne religion, je pense. On va envoyer notre colon par ici. Passer tranquillement pour se positionner ici. Donc on aura une ville ici et une ville par ici. Alors, on doit choisir un truc. On peut choisir. Ça me fait peur de pas choisir ça en fait. Je pense qu'il faut au moins des. Non, il nous faut ça, on a dit. Il nous faut ça pour la truffe. Parce que là, on n'a pas. Masse bonheur. Bibliothèque. On va faire une caravane. On va la relier. Et là, on va faire ça. Toujours personne qui peut m'échanger une petite ressource là. Je sais pas où on va ton colon, mais j'espère qu'il va pas près de chez moi. Non, c'est bon. Là, j'ai fini de m'expandre à droite. J'irai pas plus à droite, je pense. J'irai pas plus à droite. Surtout que t'es parti en bas, je peux peut-être essayer de faire une ville vers le bas là du coup. Plus tard. Allez, on avance un peu avec notre bibou. Bon, je veux que tu me fasses une route par là, j'ai dit. Et toi, une route par là. Donc là, les routes vont se construire ultra très vite. Normalement, au prochain tour, c'est bon, j'ai à les relier. Donc là, je suis à moins 3 gold, mais normalement, ça va bouger.
relié là. Voilà, c'est bon. On est relié, donc on passe à moins 4. Pourquoi on passe à moins 4 ça? Donc ça donne que plus 1,8 pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? On peut aller construire. On peut aller construire ça. Alors on va le défendre de l'ami Bobby. Et là on va avancer avec ça. Pour le moment il n'y a rien de bien méchant. On va voir un peu ce qui se passe par là. Juste encore un guerrier. On va envoyer notre ouvrier en haut travailler directement ce qui a travaillé en haut. Donc là on est premier au point, mais ça veut absolument rien dire. Je rappelle que les points c'est pas ultra important. Alors, Kelvin a fait le grand phare, donc je vais peut-être se battre par les autres. Donc nous, c'est pas très grave pour nous. Franchement, le grand phare, c'est pas ultra important. On se met là, on fait une ville, du coup, qui chope. Ah non, on met la ville, on met la ville, on met la ville. J'ai bien envie de la mettre. Ici ou ici? Ici ça a l'air mieux. Va la mettre ici. Alors là c'est bon. 4. On va aller faire le fer. Pour que notre ville qui progresse pas trop. Bah du coup j'ai envoyé de la. J'ai envoyé mon truc vers Rabat et je vais faire une route après. Choisir une construction vite vite vite. On va faire un archer. Hop hop. Et on va tuer ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'avais dit d'aller. Ouais, mais j'ai oublié. Enfin, je joue tellement lentement que. Je joue tellement lentement que ça va pas. Je peux envoyer un truc vers une autre civilisation. On va envoyer la nourriture vers Marrakech. Pour vraiment qu'à part elle. On est à zéro. On est à zéro. C'est pas cool. Donc là, on va passer à moins 4 en plus avec ça. On peut échanger encore à personne. Nous faudrait la. En technologie, il nous faut la plantation là. Pour gagner un peu de bonheur. Les chevaux. Il n'y a pas de chevaux en haut. On va juste pouvoir faire un cirque ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va faire un cirque d'abord. La mausolée, elle est pas importante. On n'a pas de pierre. Qu'on peut faire? Pourquoi on peut faire la mausolée? On n'a pas de pierre pourtant. On va faire un cirque du coup. Et tant pis, on va lancer la ville quand même. Hop. Et on va partir sur un monument historique pour changer. Et on favorise la production toujours. Hop. Hop là. Du coup là, on peut revenir. Non, on va être à 0,25 au moins. Et là, on est à plus 0,75, mais voilà. On n'est pas bien. Et là, il nous faut du bonheur. Il nous faut du bonheur. En masse. Ok, on a deux giveaways en plus. Deux giveaways. Deux petits bonhommes en plus qui se sont inscrits sur le Twitch. Merci à vous. Alors. Là, on va construire ça. Ah, il y a un archer qui se balade. J'aime pas beaucoup ça. Je n'aime point beaucoup ça. Ouais, je pense qu'on va faire le Colisée rapidement là. On n'a que 3 villes. On est tour 43. Va se mettre en défense. Hop. Et on va relier nos villes encore. On va envoyer ça par là. On va continuer à faire ça. Hop. Et lui. Lui à la rigueur, il peut nous casser ça. Ça donne de la production. Là, on va tout enlever en question. On va l'attaquer, hein, violent. Oh putain, il y a tellement d'archers à la suite. Alors il y a encore un mec là qui va nous casser les bonbons. On a 28.
28, on a moins 5 gold. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous, Jésus, notre archer. Alors, est-ce que je vais défendre là-bas? Sachant qu'il y a le Bobby là qui. On va recréer un archer déjà, ça c'est sûr. Voire même un lancier. Non, un archer. Un archer pour la def. Hop. Bon, je vais défendre là, de toute façon, il peut revenir assez vite. Si jamais je dois défendre. Rome est level 2, je comprends pas si c'est un bug affichage ou quoi. Mais là, il me fait peur pour son développement. Il me fait très peur. Alors, on va aller dans la ville. J'aurais dû aller d'abord dans la ville pour. Nous, on s'en fout. On pexe. Hop. Hop là. Et là, on va enlever. Toujours pour produire plus vite. Là, on va se rapprocher de ça pour directement pouvoir réparer ensuite ce que qu'on nous a cassé. C'est con. Panthéon fondé, plus 1 pour les cases de désert. Alors, qu'est-ce qui nous a pris, Rome? Plus 1 pour les cases. C'est lui qui a fait plus 1 pour les cases de désert, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il a pas vraiment de, non plus de. N'a pas vraiment de désert, j'ai l'impression, mais bon. Rome est level 2, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre, je sais pas si c'est un bug. Mais en tout cas, Rome est level 2. Il a le temple d'Artémis. Il a deux archers, mais ça nous fait pas peur. On peut produire beaucoup plus que lui, on a trois villes. Donc militairement, s'il nous attaque, c'est pas. Alors l'Aztèque est par en haut en fait. L'Aztèque est par en haut, donc il va peut-être falloir rush la ville. On va attendre d'être level 5 quand même, parce que là ça commence à faire beaucoup de temps qu'on n'est pas level 5. On renvoie ça par là. L'ouvrier nous répare ça. Ici, on maximise le temps. Et là, on va faire la mausolée, elle a l'air un peu nulle. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de pierre précieuse. On va faire. On va faire une bibliothèque. Et là, est-ce que je peux terminer ça? Non. Du coup, on va juste se défendre avec notre ami. Donc là, c'est bon, on a fini ça. On peut faire ça là. Et là, on va partir sur l'archer, je pense. Non, on va partir sur la navigation là-bas qui va nous donner un une route commerciale en plus. Rome toujours level 2, je comprends pas. Je comprends pas sa strat. Je comprends pas du tout sa strat. Alors lui. Alors on va faire la route comme ça. Et lui, il va commencer à faire ça parce que il faut vraiment du bonheur là. Je suis à 2, mais il faut du bonheur quand même. Là, qu'est-ce qu'on nous fait? Qu'est-ce qu'on nous fait de beau? Là, il nous faut 10 tours pour up. 6 tours encore. On va faire un grenier, du coup, tranquillou. On passe à 14 tours, deux fois plus de temps. Vaut mieux rester là-dessus du coup. Oui, il y a deux archers par là. Unité en temps d'ordre. Oula, 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 oula. Là, c'est des collines. On va juste réparer du coup. Je pense qu'il faut que j'envoie mon archer par là quand même. Pas jouer le fou. Ok, maintenant ta strat va mieux. Je suis content de là. Je pense aussi que c'est un bug puisque Antium est level 3. Non, apparemment il était ralenti par les barbares, apparemment. Ça y est, c'est passé level 3. Mais là, ouais, il s'est fait bien ralentir, hein. Sévère. Donc là, il a peur que je lui prenne son camp en fait. Mais moi, je m'en tape. Je sais pas comment lui dire que je m'en tape de son. Non! Non, je voulais pas faire ça. Donc là, on va poke. Ah, oh, il y a ma caravane là. Ça veut dire que s'il était vraiment dans la. Allez, Antium est level 4, c'est sa capitale Antium maintenant en fait. C'est l'histoire. Donc là, on va faire ça. Il est en temps d'ordre. Et là, on va construire la route. J'ai fait quoi? Ok, elle est reliée. Mais on rapporte 0,85, mais c'est nul. Ah, je peux le prendre ça. Et gagner 16 gold. Merci.
Alors, je vais peut-être avoir les foudres de monsieur le cochon vaincra, je pense qu'il va pas être content. Oups, j'ai marqué oups, mais je pense qu'il est sur le stream. Non, mais là je suis un peu dans la merde niveau gold, là j'ai fait un peu le con, alors. Ces 16 gold sont très importants à mes yeux. Allez, on va se casser, je veux pas qu'il m'attaque. Oula, mais c'est l'orgie là chez moi, là, c'est vraiment l'orgie. On va aller par là. Alors, on attaque ça. On attaque ça. Route commerciale détruite. What? Ok, m'a détruit ma route. Bon, je suis à moins 8 de gold du coup. Sad story. Au moins, on a un bonheur positif. C'est ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut détruire ça pour gagner de la production. Ça peut être intéressant. On va faire ça. J'ai vraiment envie de que le grenier parte. Et là, on va faire un. Alors, est-ce qu'elle est level 5 ma ville? Ouais. On va faire un colon du coup. Et en technologie, on va partir sur. Les archers composites. J'aimerais bien avoir des archers composites. Pour voir même faire un petit rush sur, sur Rome, là, qui a l'air un peu dans le caca, on va dire. Personne à deux encore. Deux ressources. Hop. Alors, est-ce que je peux le terminer avec lui? Pas l'attaquer avec lui, du coup je vais peut-être l'attaquer avec lui du coup. Je ne peux pas. C'est bon. Alors choisir une construction, on va choisir une caravane. Là on a assez de d'unités, là on commence déjà à être à moins 10 de gold. Oh là là, du coup c'est-à-dire qu'au prochain tour on va perdre de la. Ouais. Fait chier, fait chier, fait chier, fait chier. Alors pourquoi notre colon est bougé et bloqué là, là? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah, il faut vraiment que la caravane arrive. La caravane des rois mages, on a besoin de vous. Du coup, on va détruire une, un truc près de Rabat pour que ça aille plus vite à construire. Au moins, on a 5 de bonheur. Et ça, est-ce qu'on peut l'attaquer? Non, on va aller là. Pour essayer de cover. Et là, on va essayer de détruire ça pour de la production pour notre ville. On poke là. Unité en attente d'ordre. Unité en attente d'ordre. Non, c'est bon, j'ai plus rien à faire. C'est Bagdad chez toi. Ouais, ça va, ouais. Ouais, il y a juste un camp barbare en dessous là. J'ai la horde sur la tête, quoi. Alors, on fait ça. Hop. Est-ce qu'on termine ça? Normalement, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, est-ce que je peux avoir un truc qui donne de l'or? Pas un truc qui donnait de l'or avant? Ok, on va prendre ça d'abord. Le bonheur, on en a assez. Donc, on va prendre ça. Un âge d'or commence. On passe à rien du tout en gold. C'est nul. Parce que ma caravane a été pillée en fait. Putain de chiasse. On est dans le caca. Dans deux tours, on a notre. Notre mec. Que faire? Que faire? Franchement, on n'est pas bien. Du tout, du tout, du tout. Faut réparer des trucs là. Hein. Faut réparer les routes là. Non, pourtant elles sont réparées là, je comprends pas. Par là, hein. Nous faut nos deux caravanes là, c'est juste plus possible. Vous perdez de l'argent sans deck. Sans deck, sans deck. On a notre colon en plus. Notre colon, normalement on le met en haut. Ah, il a fait en haut. Il a fait en haut le machou. Il a fait le machou en haut. Du coup, on va partir vers le bas là. Si on a le temps. Alors par contre il y a le chouchoune là. Qu'est-ce qui nous fait le chouchoune? Alors c'est. Le Romain qui est premier en. En militaire. Putain, je suis tellement bloqué là. Il y a l'autre en bas. On va rapprocher ça. On va voir un peu ce qui se passe par en bas là.
accidenté là, clairement. Pas trop le choix. On va avancer avec notre colon. Et lui, il va aller réparer ça. Sur quoi on part? Sur un rempart. Hein. Et là, en fait, je vais plutôt faire une bibliothèque ici. On va annuler la caravane. Et en fait, je vais partir sur la caravane ici. Ça a l'air beaucoup plus judicieux. Ah, mais non, mais en fait, j'ai fait de la merde. On repart sur la caravane. Lol. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je sais pas ce qu'il est en train de me faire le chouchoune là, mais j'aime pas ça du tout. Et là, il y a surtout le Antium là qui me prépare une quenelle là, je sens qu'il est chaud sur moi. On a plus 0 de gold, putain. C'est bon. You're back in the game. Why now? Je vais faire une ville juste ici. Même si ça va être une ville poubelle, il me faut une ville en plus. Elle a le. Elle a de la soie en plus. Elle a. On va la faire ici la ville. On va voir un peu ce que ça donne. On va avancer là. On va faire un rempart à Rabat contre Bobby. Il pourra pas nous tuer. De toute façon, il y a la rivière et tout. Ça va complètement le bloquer, le pauvre. S'il tente quelque chose. Ouais, bah ouais, y a pas le choix. Dans des conditions comme ça, de guerre. On va faire une ferme ici. Donc là, on a notre. Alors, Panama, il veut que je découvre quoi? Le territoire de Venise. Perdez de l'argent. Ok, y a rien de plus par là. On va voir un peu ce qui se passe par là, quand même. Je sais pas s'il a mis son truc en mode je te bloque ou pas. Mais alors on va partir peut-être sur l'oracle. On a quoi là? On a quand même. On a trois moutons à poney, on va partir sur l'écurie pour notre capitale. Niveau. Alors plus 4 de production, ça va être pas trop deg. Et on va partir sur un coudisé, je pense. On peut faire un archer composite en 2 cours. Donc là c'est ça, là on a beaucoup de production dans notre ville. Par contre, il faut objectif par défaut là. Hein. Il faut que ça monte. Et là, on va faire un archer composite sur cette ville-là. On est à moins 3 encore, mais c'est quoi ce délire? La caravane. Je la fais aller vers. Vers. Rome. Sympa. Je donne des golds. J'ai envie qu'il reste dans la game, notre ami. Alors je lui donne des golds en sachant qu'il essaie de me préparer quelque chose là. Hein. Mais je sais pas s'il est au courant que j'ai des archers composites et que ma ville est un peu protégée là. J'ai peur pour Antium en fait. Qu'il fasse une erreur de calcul assez sévère. Barbare par là. Est-ce que je peux le saucer d'ici moi? Allez là. J'aimerais bien faire ma ville là. Je pense qu'il vaut mieux que je la fasse ici niveau défensif, mais. Est-ce qu'on se fait piquer ma chou par. Par le cochon vaincra quoi, celui-là qui bat le Maroc. Oh, c'est quoi ça, le mec qui me bloque là? On va la faire, on va pas la faire là, on va attendre qu'il avance. Ouais, allez vénère. Qu'est-ce qu'il me fait avec son ouvrier là? Alors ça fait 3 tours que j'aurais dû avoir mon prophète, c'est dommage.
Ah, je peux échanger avec le chouchoune, des baleines contre des pierres précieuses. Enfin, un mec intelligent qui peut m'échanger des choses intéressantes. Il accepte. Merci bien. Ok. On va aller par là. Et puis, ce sera tout, je pense. On va aller sur le bison. Je pense pas qu'il va prendre le risque d'attaquer. De toute façon, on a assez de d'ouvriers. On a 4 ouvriers. Même si on en perd un, on s'en fout. Au pire, on gagne un free poke. On gagne un free poke. Là, il casse un peu les couilles, hein, honnêtement. Alors, on va avancer avec lui. On voit rien du tout. On va envoyer de l'argent en Antium un peu. On va pas mettre tout vers Antium en sachant que c'est mon rival de base. Alors est-ce que t'es rendu à 3 villes avec. Non, t'es toujours à 2 villes. En liberté, c'est. C'est bizarre. Faut que tu fasses des villes, plus de villes en early. Clairement. Alors en alcoolisé, on a 8 de bonheur. Alors par contre là. Je sais pas trop ce qui se trame par là. Je vais me mettre là-dessus. Hop. Prochain tour, ce sera bon. Est-ce que je le termine? Non. Alors, le prophète illustre tape pop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme religion? On fait le bouddhisme, c'est le premier toujours. Plus 2 pour chaque ville convertie à cette région. Parce qu'on est en liberté. Est-ce qu'on peut faire les pagodes? Les pagodes. C'est parti. Pour les pagodes. On est reparti niveau. On va faire un archer composite. Là, il faut faire gaffe là parce qu'il me fait peur. Il fait peur, Antium. Il est vénère contre moi. Je le sais. Alors, par contre, je vais tout faire l'écurie avant. Parce que là, pour le moment, j'ai pas. Si vraiment je prends un rush de. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? On fait notre ville ici. C'est décidé. On va rentrer notre. Alors, je sais pas si t'as vu, mais j'ai un. Attention, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu veux me faire? J'ai un archer composé dans un tour. Si tu regardes mon stream, tu le vois en plus. Et moi, je vais avoir de l'argent pour les hubs. Toi, t'as combien de gold par tour? T'es à plus 4. Bon, t'as 316 quand même. C'est pas mal. T'as de la liquidité, on va dire. Monument historique. On a nos villes là. Hop. Je sais parce que je débloque pas ce que je veux en fait comme. On va attaquer ça. On choisit une technologie, on choisit. On va choisir ça. J'ai déjà choisi ma technologie, qu'est-ce que tu me racontes? Choisis philosophie. Oh, c'est quoi ce mec qui pop sur ma ville, quoi? S'il vous plaît, monsieur. Arrêtez cet homme. Alors, j'ai un archer composite. Gandhi, c'est contraire à mon style de jeu. Ouais, Gandhi, c'est spécial. Gandhi, j'aime pas. Gandhi, j'aime pas. C'est beaucoup trop science en fait. Y a pas trop de. Tu d'avoir ça quand même. Et là, on va commencer à faire. Là, je suis parti où là? On est sur lui, on fait un camp s'il vous plaît. On a 3 de bonheur. Et là, on veut quoi? Écurie, c'est pas fort. On a juste 2. On peut avoir 3. Non, 2 seulement.
partir sur la bibliothèque. On n'a qu'à 22 de sciences, quoi. C'est pas. Là, il va falloir arrêter de faire des villes et faire notre école publique, là. Hein. Pas trop le choix. Et là, on va cover ici parce que je sais pas trop ce qu'il a comme armée. Toi, on va te mettre en auto. T'es un petit fou. Promouvoir une unité. Voilà, il. Je préfère. Hop là. Ok, on fait le bug des ouvriers auto pour choper un petit tour. Alors, là on a les écuries. Je pense qu'on va faire ça d'abord. Là on va régénérer ici. Hop. Là on va se mettre en. J'ai envie de check un peu ce qu'il y a dans le coin là en fait. En fait il n'y avait qu'un archer. Hein. C'était du bluff monsieur. Arrêtez ça. On va taper une fois et on va détruire avec ça. Prochain tour, on rend l'ouvrier à je sais pas qui. Quoi qu'on pourrait le prendre. On pourrait prendre l'ouvrier en plus. Alors, j'ai pas mis favori de la projection comme d'habitude. Mais là, qu'est-ce qu'il m'a fait là, en fait? Va falloir faire la bibliothèque directe à Casablanca. Faut que ça parte. On est toujours level 5 sur Marrakech, putain. On avance tellement pas. Et malgré qu'on a plein de pierres précieuses, on n'arrive pas à les utiliser. Surtout que voilà, il veut pas qu'on chope de pierres précieuses. Donc là, on en a deux. On peut. Bon, au moins, on a géré notre problème de bonheur. Orly avec nos quatre villes. Mais bon. Ok, on détruit ça et on va essayer. On va tuer ça. Et alors c'est un ouvrier à Kizil, donc qui est. On va le rendre parce que c'est une unité. C'est de la culture. C'est de la culture gratuite. Unité en attente d'ordre. Là, on va construire ça. Comme ça, on aura plein de bonus. On a 3 fermes. On va choper pas mal de prod et de bouffe du coup. Deux tours avant l'expansion. En fait, le problème c'est qu'ils achètent vraiment n'importe quoi, mais mec quoi. Du coup, je vais acheter ça, je pense. Et avec mon ouvrier qui est. Alors, où sont mes ouvriers? Je ne sais pas. Il y en a un qui est là, un qui est là. Lui, il construit une ferme. Voilà pourquoi j'aime pas les mettre en auto. Pas grand-chose si on va le bloquer, Bobby. Qu'ils disent, ils sont mes alliés. Personne a un truc en double à m'échanger, c'est ça qui est un peu chiant. Alors on va retirer dans les options le truc des scores parce que ça me nique un peu la vue. Liste des scores multijoueurs, accepté. Et du coup, on est bien là, on voit tout bien, nickel. On est premier au score, mais ça veut pas dire grand chose. Alors, hello Dageon54, bienvenue sur le stream. Donc si tu viens de nous rejoindre, c'est une partie multiplayer que je fais avec. Alors il y a 3 viewers dedans et deux mecs random. Pris en multiplayer depuis le truc. Alors. Kevin a déclaré la guerre à. Ok, sûrement pour prendre l'unité. L'ouvrier. Il s'est craqué? T'es sérieux? Sérieux qu'au counter m'a chopé. Un ouvrier en early, mon counter. Quel counter? Je comprends pas. J'ai pas fait de counter moi. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un colisée? Ouais, on va faire un colisée, je pense. Bah, c'est chaud là, il nous faut de la prod là. Il nous faut de la prod dans cette ville. Nous faut de la prod. Pourtant là, on en a. Là. On a pas mal de prod là-dessus. Hein. Je vais détruire ça pour gagner de la production. Un tour. Et là, je vais aller faire ça. Un peu plus de foie. Est-ce qu'on a commencé à avoir un peu de foie? En 25, ça avance pas trop. Ok. Hop, on va défendre là.
Là, c'est pas ouf parce qu'on est à zéro de bonheur. Personne n'a de double de ressources de luxe en double en fait. Personne travaille ses cases ou quoi. Alors tout le monde les échange à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vitesse rapide en multijoueur, en simultané. Et voilà. Peut-être faire autre chose à Marrakech là. Pas faire caravane. J'ai pas envie de faire un autre truc. Faut une caserne après, je pense. Alors la question, est-ce que je peux faire un rush sur Bobby, notre ami? Notre ami Rushford. Surtout que. Un cochon. Non, 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 le cochon, c'est lui, c'est le cochon vaincra, le cochon, c'est pas moi. Je suis simplement le Marocain. Ah merde, c'est là en fait qu'il faut que j'aille. C'est ici qu'il faut que j'aille. Je sais pas du tout ce qui me prépare. Alors, est-ce qu'en unité on est premier? Non, c'est le Shoshone qui est premier, on est deuxième en soldat, en bas de 2000, troisième à la science, Shoshone qui a de l'avance. Shoshone qui est à 2 villes, mais 14 de population en liberté. Par contre, il a que 2 villes, donc ok, Orly c'est fort, mais c'est de l'Orly. Alors, on finit tout ça, et on va pouvoir choisir Monsieur le Savant Illustre. Ok. Et le savant illustre, on va le mettre, on va le mettre, on va le mettre, on va le mettre. On va le mettre. Je le mettrais bien sur le. Ici, en fait. Ça va continuer à gagner. Alors normalement, c'est. L'écurie, c'est les poneys. Ah, on peut faire ça, cool. On va essayer l'oracle. Et normalement. L'écurie, ça marche même si on met autre chose. C'est les moutons bétail machin. Faut même pas exploiter. Donc ça veut dire que je préfère mettre ça en early sur une case qui va avoir du potentiel. On va juste perdre un de nourriture pour gagner 8 de science. Oui. Et voilà. Donc là, vraiment, on est pas trop mal. Là, ça a été pris. Non, ça n'a pas été encore fait, c'est pour ça. Accord proposé. Accepter l'ambassade. Allez, j'accepte. Et on va partir ici sur la bibliothèque, comme j'ai dit. Il nous faut la bibliothèque tôt. Là, on va se défendre. J'ai peur de. Pas que j'ai peur, mais il me fait pas plaisir. Et là, on va faire une route vers Casablanca. Attends, là, on a fait la bibliothèque ici. Ouais. On va faire une route. Et là, on va faire une écurie. Non, écurie, non. Colisée. Franchement, il faut vraiment le coliser partout avec un. Travail du fer. Mais je sais pas ce qu'il fallait que je prenne. Non, il faut prendre un monnaie, marché. Il faut partir sur moulage assez vite. Je sais pas si je pars sur marché ou pas. Moi, je pense qu'il faut que je compare sur moulage. De manière générale, administration, ça peut être cool aussi pour. Vas-y, on va partir sur moulage plutôt. En faisant d'abord ingénierie pour gagner une route commerciale en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû faire quelques paires. Là, on fait plus 1 de production. Jamais testé le Maroc. Alors, le Maroc, c'est route commerciale, c'est principalement basé sur l'argent, la guerre, parce que t'as plus d'argent. Ouais, c'est toi, Bobby, t'es à côté de moi, alors je t'appelle Bobby. T'es mon ami pendant cette game, on est ensemble, collés, près l'un de l'autre. Casablanca, elle est partie sur quoi? Sur ça? Là, il nous faut un ouvrier par là-bas. Hein. Vraiment. Je sais pas où mettre ça. On va mettre ça là. On va attendre là. Je vais mettre tour suivant. Je vais aux toilettes rapidement. Alors, pile poil
pole pour l'arrivée du tour, unité en attente d'ordre. On fait rien. J'aime pas trop rester collé trop longtemps. Ah bah écoute. Bah viens essayer d'attaquer des archers. En fait, le problème c'est que là, ma ville, elle est couverte par les montagnes. Enfin, elle est couverte par les collines ici et par la rivière. Donc en fait, c'est très très dur de s'attaquer entre nous. Toi, t'es un peu plus loin de la rivière, donc ça, pour moi, je peux avancer quand même un peu. Mais là, la rivière, elle va vraiment te bloquer en fait. Pour des unités terrestres pour prendre la ville, parce que je vais pouvoir les poke à distance. Donc militairement, ça va être très difficile pour toi de me capturer en fait. Malheureusement. Hop là. J'y crois pas trop à l'oracle, mais on essaye. On n'a rien de mieux à faire, je crois. Toute façon, on n'a rien de mieux à faire. On aurait pu faire juste un temple à la rigueur, mais je préfère tenter l'oracle. Même si je pense pas l'avoir. Venise qui est à deux villes. 15 de population. Les alliances vont vite. De quoi les alliances vont vite, de quoi? Ah, le problème dans ce jeu, c'est que genre les gens, ils disent bon, lui il est en avance, faut l'attaquer. Ça c'est complètement faux, ça veut rien dire. Est-ce que je gagne de la foi en plus? J'ai bien envie de gagner de la foi en plus pour. Je perds un. Alors attendre un pop. Par contre, on n'a vraiment pas de population. Il faudrait vraiment faire une caravane en plus là, quand on aura ça. J'ai fait une caravane avec Fès, je pense, ou avec Rabat. Et dans 7 tours, en fait, de toute façon, si j'ai pas ça, je ferai la. Sais pas quoi faire avec celui-là. Vas-y, il faut que j'avance vers ma ville là, parce que là, faut que je travaille les cases ici là. Là, on a un sucre en plus pour du bonheur. Toujours sympa. Là, on va garder l'or au cas où il y a la guerre, upper nos unités au dernier moment. Ce qu'on peut faire. Là, on a plus ou moins monté. On peut prendre ça d'ailleurs. Attends, est-ce que ça c'est ma religion? Plus 2 fois pour chaque truc de pierre. Donc, c'est-à-dire que je peux utiliser ça là. Je peux peut-être acheter ça pour avoir 2 fois en plus et avoir une bonne case. Allez, on va la jouer comme ça. On va dépenser 50 d'or pour l'avoir. Cette bonne case, on va lock ça, on va lock ça, on va partir là-dessus. Alors, je vais échanger avec notre ami Bobby. On peut échanger. On trade avec notre ami, c'est très important. On est qu'à 31 de science, tour 69, c'est pas bien. Sachant qu'on a quand même un. Ce boost est dû quand même pas mal en partie à. Au fait qu'on a. Oui, c'est bon en fait. Ils sont partis là-bas. Avec lui, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. On va peut-être défricher là juste pour essayer d'avoir un bonus à la rigueur qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir Marrakech. Au pire, ça nous donnera des golds. Dans le pire des cas, ça nous donne des golds si on n'a pas l'oracle. Accord proposé à Rochefort qui n'a pas encore accepté malheureusement. Non, Venise n'est pas censée pouvoir gagner cette game. Normalement, ils ne sont pas censés gagner. Il suffit juste de leur faire la guerre et de couper toutes leurs caravanes. Accord accepté. On a 9 de bonheur, c'est bien. On va partir sur. Alors, soit on fait la caserne. On peut pas faire la caravane encore. On n'a pas débloqué encore la. On va partir sur les remparts. On sait jamais ce que peut nous faire le cochon vaincra. Je pense qu'il a un talent spécial fort contre toutes les nations arabes. Alors par contre, là c'est. Ils sont en train de construire une ferme, s'il te plaît, mais il y a mieux à construire là. L'IA fait vraiment n'importe quoi dès que vous le laissez tout seul en fait. Là, il nous faudrait ça également là. La soie en plus à choper. Donc là, soit on va faire la guerre pour choper nos villes supplémentaires, soit. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que Rome a que 2 villes, 3 villes, pardon.
Je vous fais une troisième ville. Le problème, c'est que ces villes sont 4 et 6. On voit la différence de pop. Ils sont à 11 de pop, alors que nous, on en a 17. Et on a des villes déjà un peu parties. Je pense pas que ça, la ville qui vient de faire, elle est vraiment en état de marche encore. Donc, du coup, ça marche comment? Sur les collines. Sur les collines. Va dans Encyclopédia. Dans Cibipédia, j'écris trop mal Cibipédia, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire là? Un colisée encore en plus. Dans deux tours, on a ça. Il faut que j'aille là, de toute façon. Et nous, on fait la route. Alors là, je voulais défricher ça. Ah, mais vu que c'est pas dans mes terres, en fait, ça met plus de tours. D'accord, c'est chelou. Et là, on va faire une route vers là. Et là, on va prendre ça. Mais c'est pas des montagnes, c'est les collines. Colline, colline. Colline, pas montagne. Alors, il y a nos trois villes, tradition. C'est réglo. Moi, je suis en liberté, moi. Personnellement, je suis en liberté et on n'est pas dans le mode NQ, donc je suis en liberté avec les Marocains. Et on a réussi à choper la pyramide. Donc on est pas mal dans la game actuellement. On est premier au score, même si ça veut pas dire grand-chose. Joshon a 4 villes également, et il a 17 de pop comme nous. 19, non, on a, pardon. Donc là, on fait ça. Là, on termine de faire ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? On n'a pas besoin de gold. On a vraiment pas besoin de gold. On va aller faire ça. Et là, en fait, on n'a pas du tout relié notre ville en fait à la capitale. Et ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Là, écurie, on a dit que ça servait à rien. Vu qu'on n'a pas ça, on peut peut-être partir sur un rempart. On va partir sur un rempart et on va faire la caravane derrière en fait. Fais voir, ouais. Ouais. Ouais, c'est bête, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que du coup elle est. Aztèques, ça joue un peu là-dessus quoi, sur le déplacement sur les montagnes, sur les collines, pardon. C'est un peu triste pour toi, honnêtement. Où est-ce que je pourrais faire une ville en plus quoi? Pas vraiment de choix. Par contre, Marrakech qui a vraiment besoin de cette caravane pour avoir. Bah, c'est la map de base, mon gars. J'y peux rien. J'y peux rien, j'y peux rien, j'ai 6 pierres précieuses. Alors, le Parthénon qui a été fait. Peut partir de caravane en 5 tours, mais c'est beaucoup trop lent. Grande muraille, c'est pas la peine. Hôtel, c'est pas la peine. Partir sur la caserne, j'ai pas envie de faire la queue duc pour l'instant. Et là, on va partir du coup sur le moulage. Alors, non, on va partir d'abord sur le monnaie. Monnaie qui permettra de faire des marchés pour gagner un peu d'argent. Des fois, il y a des gros lags. On fait ça. Équilibre stratégique. Ah, il y a du lag là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les enfants. Ah, le cochon vaincra a quitté. Oh oh oh. Alors, est-ce que c'est moi qui a déco? Ou tout le monde a quitté? Bug?
Ouais, je pense, c'est dommage. Je pense qu'ils ont des échos. Alors, on va voir sur. Non, je parlais du lag au niveau du jeu en fait, parce que mes actions mettaient assez un certain nombre de temps à venir. Donc, on va voir s'ils me répondent sur sur le Twitch pour que je les réinvite ou pas. Maybe. En fait, j'ai dit 6 pierres précieuses. Et les mecs, ils ont les vues directes en fait. C'est ouf. J'aurais jamais dû dire ça en fait. J'aurais jamais dû dire ça. Kelvin a quitté du coup et le cochon vaincra. Pourquoi? Pourquoi les enfants? Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Bon, c'est pas grave, à 4 ça reste quand même intéressant. Et au moins ils ont fait un strat, comment dire, ils ont fait un début en face de, comment dire, d'humains. Donc ils nous ont bien joué régulièrement, enfin comment dire, honnêtement comment ça serait bien passé. Donc on n'a pas eu de rush trop violent sur les merveilles, donc c'était plutôt réaliste, donc c'était pas mal. Donc là on peut continuer à jouer, c'est pas vraiment un souci, on est encore 4 dans la game. Dommage parce que les Shoshone n'étaient pas trop mal dans leur game, hein. Ils avaient 4 villes, 21 de pop, ils avaient un de pop de plus que nous. Et au niveau de la science, bah, ils étaient avant nous, je crois, 17 contre 18, il y a une technologie. Cochon m'a mis au fond, je suis isolé. On a l'oracle, c'est pas mal. Du coup, nous, on peut pas partir tout de suite sur... On peut pas partir. Oh, hein? Non, ce soir, je suis malade. Je suis malade. Non, en vrai, je reviens d'une. Ouais. Je reviens d'une petite grippe là. Donc j'ai juste fait une formation à 20h, à 18h là, de 20. Et puis j'ai pris ma soirée en fait. Pour le bar de l'hôtel. C'était enfin dégustation de whisky, enfin des trucs haut de gamme qu'on a à l'hôtel en fait. Vin, whisky, rhum et gin. Mais non, c'est formation. On va faire ça. Tant pis. Hein? Ouais, je suis en stream. On est à combien? On est à 8 viewers. On va faire un cirque. Et là, on va partir sur l'école. Université publique. Voilà. Hop, hop, hop. Hein? Yes, Maroc. Là, il y en a deux qui ont quitté. C'est dommage. Il est quelle heure là? T'as fini de bosser? Minuit 45. Travailles pas le mercredi toi, c'est pas jeu de société. Ah oui, t'étais en concert, c'est vrai, j'avais vu sur Facebook. Je vais mettre ça en auto. C'était quoi? C'est du pain. Du coup, on en est où? Alors là, on a une unité de Sidon, c'est ça? Gratuitement. Ok. Donc là, on se retrouve avec pas mal d'unités, c'est cool. On va le mettre là-bas. Lui, on va le stocker là. Et puis, voilà. Là, on pourrait. Ok, c'est vrai que ça serait bien que ça se chope au prochain tour, qu'on puisse prendre le sucre ici. Donc là, on va pas abuser de l'IA, on va prendre sa ville, on va plutôt aller se battre contre Antium, je pense. Peut-être. Je sais pas. Là, il me reste encore une. Voilà, c'est qu'on est toujours que level 7 sur notre capitale. C'est pas officiel. Strange. He won't come. He's a friend of you. He won't come back. On va partir sur le marché.
pour générer de l'argent. Qu'est-ce que tu ne fais, Antium? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pas trop déçu, bah non, enfin. Ok, si tu veux. Si tu veux, mon ami. Vais te construire des routes dans ta capitale, dans ta ville. Tu vas pleurer. Je vais te ruiner. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'aime bien les citadelles. Quand j'aurai récupéré ta ville, ce sera sympa. On a de la fourrure ou ça? Où est-ce qu'on a de la fourrure? Ah non, c'est Rabat qui veut de la fourrure, d'accord. Je donne du bonheur à notre ami. Du coup, on va faire un marché ici. Ah non, on peut faire une caravane, je suis bête. On fait une caravane vers notre capitale qui a grossi un peu quand même. Avec level 7 dessus. Alors que par exemple, lui qui est parti en liberté qui a 4 villes, allez, level 11. Du coup. Pourquoi ça bug encore là? Ça rame, je crois qu'il a essayé de rejoindre la partie, non? On voit que Kelvin est à moitié en mode je rejoins là. Ah ok. Il arrive à rejoindre parce que là il peut. Ouais, ok, il est en train de revenir. Kelvin, le chouchou, non. Alors, ouais, en bibliothèque tour 25, ouais. En fait, avec un bon start, c'est possible tour 20. Je crois que mon record c'est 21. Mais il faut vraiment une bonne production et de la. Ah, j'ai pas eu le temps d'attaquer, t'es sérieux? Toi, tu peux pas attaquer? Ok. On va envoyer ça également. Fair. Là, on va faire également un marché ici. On va un peu check ce qui se passe par là, sur le côté avec notre éclaireur. Alors Panama a pas mal de potes. Attends, si on pouvait être allié avec eux, ce serait jouissif. On va garder un archer tranquillement là. Et là, on va partir sur quoi? Je sais pas ce qu'il nous reste de bien à faire. Pas mal de bonheur de toute façon. Je sais pas si sa ville peut attaquer, prendre ça directement. C'est la question que je me pose. Je pense qu'il l'aurait pris s'il pouvait. Du coup, paf. Paf. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Paf. 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 Allez. Le problème pour lui, c'est que.
Malheureusement, j'ai pas mal d'ouvriers. Peut-être partir là-dessus. Enfin, j'aurais dû prendre ça en fait. Je vais partir sur esthétique là. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais. Je suis un gogol des fois. Utilisez votre foi. Ah, ça y est, je peux utiliser ma foi. J'achète une pagode. La première pagode d'une longue série. Enfin, je refasse également une caravane. Parce qu'on a plus 6. Je vais pas vraiment avoir mal, je pense pas. Je pense que je suis bien protégé. Je m'en tape de mon. De mon truc. On va finir ça pour augmenter la production. Je sais pas trop ce qu'il y a dans le coin en fait. Ok, il y a un mec là en fait. Alors, tes ouvriers mêlés au champ de bataille construisent des routes dans son territoire. Le problème c'est que là je peux pas trop avancer là. Il y a quand même des unités à raser avant. Mais là je vais lui poke d'abord et après ouais je vais lui faire ça. Après je vais lui faire des routes partout. Tranquillou. Par contre faut que j'arrive à. Enfin je crée peut-être un lancier ou une carrière dans le genre. Alors. Alors je sais pas s'il l'a reculé. On va reculer ça vite fait. Ok, il préfère attaquer. C'est à son aise. Du coup, on va faire. Hop. Hop. Ça prend la bite, ça quand même. Bon, là, je vais prendre des dégâts avec ça, vu que c'est une forteresse. Quand je vais avoir un Generalus, en fait, je vais juste reprendre ça. Et en fait, c'est lui que ça va. Accord proposé. Mais attends, il fait la paix. Bon, on va modifier. Attends, mon gars. Tu me fais ça, ça. Et on va dire 200 d'or. Ça m'a l'air honnête. C'est mon prix. C'est mon unique prix. Mais ouais, on va faire les routes. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est ouais, créer les aménagements dans son territoire. Ok, il a fait la paix, il a baissé son froc. Je sais pas quoi faire. Je sais même pas quoi faire en fait. Ok, du coup il a acheté la truc. Une du plus pierre précieuse à Kelvin. Bon, Kelvin que j'ai un peu trop respecté en fait, je pense. J'ai vraiment envie d'acheter ça aussi là parce que ça veut pas l'acheter sinon. Du coup, la pièce. Alors ça, j'ai envie de faire de l'argent vers, enfin de la nourriture vers Marrakech parce que ma ville ne progresse pas du tout en fait. Et là, on va faire un marché également. Vraiment avoir de la thune un peu partout. On va envoyer ça là. Et là, bah, on va régénérer tout ça. Hein. Baisse son froc pour interrogation. Va passer à 5 spectateurs. Bon, il commence à se faire tard, c'est normal. Là, 5, c'est très bien. Alors, là, on est sur notre capitale. On peut refaire une caravane en deux tours. Je pense que c'est ce qu'on va faire. J'ai vraiment envie de. J'aimerais que ça explose quoi. Là, on est qu'à 7 de pop. Sur la game 100, on était quoi tour, on était level 21 je crois sur notre capitale, je sais plus là sur la partie avec la France là. God tier là cette partie avec tellement de sel, tellement salé pour nos adversaires les bots. Du coup là on peut faire quoi là? Pas grand chose. Je vais construire la banane. On va aller faire la banane. On va revoir un peu comment nos villes ont été prises. On va monter un peu cette ville là. Ok, ça c'est bon pour cette ville là. Ok. Là on est à.
cette ville-là, elle est comment? Ok, ça c'est bon. Ouais, il faut vraiment que je fasse des aménagements là. Et là, Fès, ça prend quoi? Plus 5 de gold. Alors, ça y est, on va pouvoir commencer à faire les ateliers. On va prendre ça parce qu'on a fait pas mal de fer, mais il faut que ça parte. On va juste faire ça et après on partira sur l'imprimerie, je pense. Alors là, il se vénère un peu, notre ami. Notre ami, mais bon. Je sais pas ce que tu prépares. Je pense qu'on va faire des unités en plus, hein. S'il part comme ça en mode violent là, il veut juste nous ralentir. Du coup, je peux pas envoyer de la ville vers. Attends, me dis pas que j'ai envoyé la caravane vers la mauvaise ville, vers Marrakech, on est d'accord. Ok, on modifie la ville, on l'envoie à Rabat. C'est qu'elle a le grenier, elle. Et tour suivant. Allez, on voit vraiment que Marrakech elle a de la pop. Le colosse qui a été construit. Alors ici, on va faire un atelier. On sort plus vite des unités. Et ici on va également. Alors est-ce qu'on fait l'armée de terre cuite et là on lui met une quenelle? Ou on peut faire des lanciers aussi hein, si on veut. On va faire plutôt des ateliers. Marrakech. Ça et la caravane va aller vers Marrakech. Tu peux parler fort, hein. C'était pas. Y a combien d'heures par tour, notre ami? Moins 2. Non, non, 4 villes tra liberté. Je sais pas. J'ai explosé la méta là. Là, c'est une nouvelle méta, un nouvel homme. Il est fou. Ouais. Alors, mais contre. Ouais, bah ouais, là, c'est parti là. Là, je fais full gold, full production et après, je mets des quenelles. Le Romain m'a attaqué et en fait, il a baissé son froc parce qu'il s'est empalé. Non, c'est pas un IA, c'est un joueur. Il s'appelle Rushford. Rochefort. Il avait baissé son froc, ouais. Pas du tout, mais il m'a donné 200 gold des ressources de lui, mais il a pas baissé son froc. Mais il a pas baissé son froc. Mais il a accepté. C'était mon offre, il a accepté. Il me reste un que j'ai pas vu, il y a Venise aussi dans la game, mais Venise pourra jamais gagner en. Ok. Ouais, c'est bon, il y a l'hindou. Shun est bien, ouais, mais. Ouais, il a 4 villes, 29 de pop. Ouais. Un peu cheaté, ouais. Go tous les tuer, héros. Lol. Porte-bouclier, quoi. Tu vois qui c'est, porte-bouclier? Bisous, porte-bouclier. Y a Dax qui te fait bonjour. Smurfy. Oh, il nous fait quoi, là?
Là, c'est qu'on va, nous, on va rush mécanique là. On va pas se faire marcher dessus et on va tout ça en arbalétier et ça va en s'empaler là. Rome 260, à moins 2, 3 villes, 14 de pop. Ouais, c'est le chouchoune qui est vraiment bien dans la game. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On fait l'atelier. Là, en fait, on va créer tellement de lanciers qui va s'empaler. Je ne comprends pas. Et surtout les. Alors, par contre, on va peut-être reculer un peu au niveau de notre truc. On va le laisser lui-même attaquer. Ça va être ça l'histoire. On va le mettre sur un seul front. Et nous, on va mettre. Alors, que fait de cet éléphant? Tout seul, ici. La faucheuse, mais. Que fait ton éléphant, OMG? Pourquoi il est rendu là, l'hindou? Je sais même pas où il est sur la map, il est là. Non? Je sais pas où il est sur la map et il vient faire coucou. Donc là, on va pas faire le fou, on va faire des lanciers. On va faire des. Comment dire? J'ai pas d'explosion. Ouais, mais bon, c'est une bonne unité, il faut. Les Shoshones, c'est fumé avec les défricheurs. Ouais, c'est fumé pour les. Early, c'est très fort en fait, et surtout le truc d'avoir directement tous les trucs, t'as pas besoin d'acheter des cases, donc. Ouais, les Shoshones, c'est top tier. Clairement, c'est top tier. Du coup. On n'a pas de rivière en fait pour notre truc, mais. On part sur quoi alors? Là, on va partir sur. Sur des piquets en deux tours. Va se défendre. La rivière, elle est ici. Là, on ping. En fait, là, on ping vraiment sa front lane facilement. Là, il n'y a que c'est vraiment sa balise, mais qui nous tuera pas. Surtout qu'on a le rempart, donc on est vraiment large au niveau défense. Alors, nous on va partir sur mécanique et imprimerie derrière. Et du coup, on va. Bah attends, je vais lui laisser le libre passage en fait, s'il veut passer. On va lui laisser libre passage à ce pauvre. Vas-y, on va le mettre en auto. Je vais lui mettre le libre passage parce que c'est une fait pitié, franchement. Cette. Alors, on va juste vérifier que personne n'est en train de faire la victoire à la science. On ne sait jamais, quelqu'un te fait une petite strat tranquillou là. Victoire au CAM en 340 tours avec un voisin Chaka Zulu et César. Ouais, ça va être bien le chouchou. J'ai pas Chaka Zulu là. Non, mais là j'ai surtout. On a Bobby. On a Bobby alias. Alias, comment il s'appelle? Rochefort qui joue sa game à nous embêter. Il est bien parti aussi le monsieur.
sais même pas quoi faire. Tout est bien fait ici. On va aller par là. Ouais, je vois que ta game se résume à m'ennuyer. Alors. Je vais faire un aqueduc parce que faut vraiment. Là, level 8, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Dans cette tour, on va avoir le truc honneur, donc ça se passe. On peut échanger avec lui d'ailleurs. À moins qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'ivoire. Ok, mais c'est un ordi du coup. Le first, il est parti. Vas-y, si tu veux être mon ami, vas-y. Sois mon ami. Je comprends pas trop là. Alors, non, je parle de partie avec les Shoshone pendant le temps de boss balade. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur éléphant que j'ai jamais vu. On va commencer à voir l'atelier un peu partout. Toujours level 4 ici. On décolle vraiment pas. Ok, ça fait la guerre. On va EP ça tranquillement. Par contre, cette unité, je pense qu'elle est perdue. Par contre, ou alors on va la faire reculer. Alors, je sais pas pourquoi il m'a déclaré l'amitié. Bon. Il est méchant. Il est méchant avec moi. Heureusement, le lancier là, il va empaler son cavalier quoi. Ah, l'éléphant peut m'aider au pire. On va reculer notre. Question, c'est est-ce qu'il a le first move ou pas? Allez, bouge! C'est bon. Alors. On a encore le heal sur cette unité-là, donc. Plutôt bien. Et là, je peux attaquer ça, non? On m'attaquera bas.
Dans cette ville-là. Peut faire Petra. Allez, on est fou. Là, on va faire. En fait, j'ai aucune ville. aucune ville qui est encore sous ma religion, c'est triste. On fait un marché. Quoique la forge peut être sympa aussi. Non, on va peut-être faire une guilde des artistes quand même. Guilde des écrivains, pardon. T'acceptes pas, il y a mon pote qui arrive. Quel pote, t'as. C'est quoi cette alliance? Rien par là. Qui est son pote? Ok, alors là, ça ça m'attaque des deux côtés. Il y a aucune race chez eux. On va faire un cavalier pour aller plus rapidement vers le bas. Et un cavalier également ici. On va défendre ça tranquillement. Là, on voit qu'il nous prépare. Il va essayer de nous faire quelque chose. Ah, il faut que je prenne Antium là. Sinon, je perds trop de temps. Attaquer ça. Oh, ça bug un peu là. Ok, on est en freeze totale. De sauvegarde en plus. Ouais, perso, moi j'ai. Je suis un crash là, c'est freeze pour moi. J'ai freeze également. Ouais, je crois que c'est mal barré là. Est-ce qu'on peut alt-tab? Ouais, on peut alt-tab, mais. Et ouais, j'ai crash aussi, je pense. Je repars pas. Le jeu. On va dire que Rome s'est bien défendu. Ça a l'air bloqué. Ouais, je pense que le jeu est. Le jeu est perdu. Sad story. L'éléphant a win. Ouais, non, c'est Dembo qui a win. C'est ça. Le mec a. En fait, il a fait craquer le jeu. Il a inventé une méta avec un éléphant qui explore tout ça. Et ça, le jeu a pas voulu comprendre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Quoi, je déplace
truc de jeu là. Ouais, donc du coup on a bug, c'est dommage. C'est moche. C'est moche. Dommage. Bon. Bon, du coup je vais fermer ça. Et bon, du coup je pense pas qu'on aura le temps de refaire une game. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Moi personnellement je peux pas rentrer dans le jeu. Si je fais un alt-tab sur le jeu, y a rien qui s'ouvre. Moi tu peux me réinviter dans la game. Je pense que je vais alt F4 et enfin je vais contrôler le sub sur mon CV et peut-être que tu peux me réinviter dans la game, ce sera plus simple je pense. Je relance CV5. On arrête là ou pas, enfin, on n'a pas le temps pour relancer une game. Bon, le début était au moins fun, ça donnait un peu un exemple de début de partie en multiplayer, ce qui peut se passer si on a des mecs qui préfèrent vous taper plutôt que se développer. Genre un certain Romain. Il préfère garder sa capitale level 2, mais mourir dans l'honneur. Alors, Kevin a voulu m'ajouter à sa liste d'amis. On va l'accepter parce que. Enfin, j'aurais gagné la guerre contre toi, mais je pense que le Chocho n'aurait été très très bien dans la game. Je pense qu'il aurait peut-être gagné parce qu'il avait. Je sais pas ce qu'il avait comme territoire en bas, mais il dominait en pop. Après, si j'aurais pris tes capitales, j'aurais pris tes merveilles, etc., ça aurait. J'aurais chopé pas mal de choses intéressantes, genre le temple d'Artémis, tout ça, ça aurait aidé à me développer. Mais bon. Alors, je vais accepter. Je vais accepter monsieur. Alors, deux invites qui m'a ajouté sur Steam. Le cochon vaincra, j'accepte. Ainsi que Kelvin. Je vais lui dire. My game crashed. Est-ce que je peux faire? Quelle heure il est? 1h20. Je peux montrer une strat si vous voulez, je peux montrer la strat Byzance rapidement. Ça dure pas longtemps. Donc je vais juste montrer la strat Byzance. Du coup, on va choisir Byzance. Donc une strat pour gagner qui peut vous permettre de gagner vers les tours 100 grâce à la culture. Alors, je vais mettre les bots juste en. I'm not a game, do you have other people in friend? Nope, all other crashed, je lui dis. All other crashed. Sad story. We will make another game. One day I will meet you. Cause you like. You looks like an Oliver. Alors, Rushworm m'a envoyé quoi? Malheureusement, ma cou a crash et je dois y aller. Ravi d'avoir fait game. Non, mais c'est tout le monde a crash. Tout le monde a crash. C'est pas de ta faute. Vous l'avez dit, one. Entrance. Alors, trouvons en vitesse. Ouais, tour 100 en vitesse rapide avec Byzance pour gagner à la culture. Donc, je vais mettre les bots en prince. Juste pour que ce soit plus simple, pour que ça dure moins longtemps. Parce que sinon, ils vont partir trop vite sur esthétique. Ils vont faire n'importe quoi, générer, faire n'importe quoi qui est pas normal.
Du coup, Byzance, je vais juste faire rentrer la strat. Hein. Elle est carrément plus facile à faire en mode NQ. Mais elle est possible à faire en mode normal. Elle est un peu plus lente, mais elle est pas mal. Alors, on va lancer la partie. Du coup, en plongée. Alors, est-ce que je vais mettre. On va la mettre en plongée. Ouais, non, mais il est malin le cochon Macra. Du coup, qu'est-ce que je fais là? Je vais Théodora. Ok, on a que Byzance du coup. Alors, je sors rentrer la strat du coup. Alors, la strat se Gloire à fait votre grâce. grandeur et à votre générosité, impératrice Théodora, aimée de... Je voulais pas entendre sa voix. Byzance et de Rome. Ok. Malgré des origines modestes, danseuses et courtisanes, votre... Ok. Alors, deux sels, c'est pas mal pour débuter. C'est pas ouf. Alors, en fait, pour avoir un bon start avec cette strat, il faut quelque chose qui génère de la foi. Donc là, on a du sel, donc ça fera deux fois en plus. Du coup, on va partir où ça? On va partir ici. Ruine antique. Et on va pas perdre de temps, on va faire notre ville ici, je pense. On va faire notre ville ici, on est fou. Il y a un encens en plus, bon, c'est pas très important. On va faire un éclaireur, il nous faut absolument un éclaireur pour voir le plus rapidement possible tous les mecs en face. On part sur la poterie, on est obligé. Il nous faut de la foi en masse. Ok, ça c'est cool. Voilà, rester level 2 le temps de choper ça. Non, ça sert à rien, on l'a dans 2 tours également. 3 tours. Ok, on va rester comme ça en fait. On va passer à 3, on essaiera d'avoir cette case là. Moi, je pars du principe que vous êtes déjà. Ok, un autre sel. Ok, c'est pratique. Donc là, le but c'est vraiment de faire plein de petites villes et de faire tous les monuments en fait de foi avec. Okay, des ressources. On va partir. Est-ce qu'on part sur un deuxième éclaireur ou pas? Peut-être vraiment qu'on part sur un deuxième éclaireur parce que. Il nous faut vraiment découvrir le plus rapidement possible tous les mecs dans la game. Alors peut-être une ville ici. Le problème, c'est que sur cette map, on n'a pas vraiment beaucoup de place, donc on va pas pouvoir faire non plus 12 villes. Ouais, y a pas de souci. Après, en général, je préfère faire en draft où tu choisis entre 3 civilisations après avoir fait des bans. Ça permet de jouer un peu plus que tu as envie, tu vois. Ok. Là, on va partir directement sur l'hôtel. Il nous faut la religion très vite. Il nous faudrait aussi des cités-états à découvrir, ce serait pas mal. Ok, encore de l'encens. Ok, une cité-état pour acheter la case ici. Dans 3 tours, on s'expanse automatiquement. On va attendre en fait. Ok, il s'équipe d'armes. Part vers le haut. Kaboul. Si on peut être ami avec eux, ça peut être cool. Parce qu'on va avoir besoin pas mal de. Oh putain, si on arrive à avoir cette cité-état, on est juste trop bien. Ok. Ok, là il y a un mec. Pas cool. C'est le Shungai, je crois. Ou le Mongol. Le pire, c'est que j'avais la grande biblio, mais ça m'a servi à rien. Ah, mais en fait, le problème, c'est que la grande biblio, c'est bien, mais c'est pas ce qui retourne une game, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai obtenu les cases en plus? Voilà. Donc là, on va pouvoir la prendre. On va pouvoir lock ça.
Lock ça. Et faire à fond. On va quand même la faire monter level 4, parce qu'il nous faudrait. Donc là, on est en train de faire quoi là? Rien du tout. On va faire le monument historique derrière. Quel mongol. Part sur exploitation minière. De toute façon, on arrive à faire une ville ici, c'est free win. Alors je sais pas si je pars sur liberté ou si je pars sur liberté me permettrait vraiment de faire des villes rapidement. Winterberg, la cité de foi. Alors là c'est OP, je peux faire un serment de protection et en plus je peux demander un tribut. Là pourquoi je peux demander un tribut? Parce que j'ai comment dire un lancier et deux éclaireurs à ce moment de la partie. Je suis premier en soldat. Du coup je peux demander un tribut à la cité. Donc là je peux demander 75 d'or. Là on est vraiment bien. Je pense qu'on va partir. Franchement, liberté, ça m'a l'air plus OP pour vraiment choper la merveille à 8 deux fois. Ça m'a l'air complètement craqué. Problème, c'est que eux peuvent les prendre. Enfin, surtout en vert. Alors, on peut faire la merveille. Du coup, on part sur plus 1 pour chaque sel, fer et cuivre. Là, on peut pas faire mieux, ou alors on prend plus 4 merveilles naturelles, il faudrait choper ça. Mais ça m'a l'air trop loin, je préfère assurer. On est sûr d'en avoir au moins 3. On part là-dessus. Sachant qu'on avait aussi de l'encens, mais on s'en fout. Alors, unité en attente d'ordre, on visite. Merci. Voilà les éclaireurs aussi qui font vraiment la partie. Ok, un sel de plus. Alors, on a une super ville qui permet d'avoir un sel de plus cette montagne là. Ça c'est cool ça. Là on va partir liberté je pense parce que en fait on va avoir assez de fois. Genre tu blindes la map de... Ouais c'est ça. En fait le but ça va être de partir en liberté, faire plein de petites villes level 1 ou 2 et en fait faire les trois bâtiments de foi qui sont la mosquée, la cathédrale et la pagode et le monastère. En fait on pourra en faire trois grâce à la piété full et du coup ça permettra de gagner énormément de culture via le passif, enfin la croyance supplémentaire des coins spells de Byzance qui leur permet d'avoir plus de voilà. Ouais, mais c'est encore plus pété du coup avec eux parce qu'en fait ils peuvent utiliser du coup. Ils peuvent utiliser 3 bâtiments de foi au lieu de 2, donc ça va encore plus vite. Alors, on part du coup sur Liberté. On va partir Liberté juste pour aller chercher le colon pas cher et rapidement. Et avoir de la production aussi sur toutes nos petites villes. Et après, on partira sur full piété. On met tour suivant. Alors, de préférence, on devrait essayer aussi de rush tonnage. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas si on pourra. Carlacum. On va peut-être partir sur un ouvrier le temps de choper. On va partir sur un ouvrier d'abord, comme ça on pourra travailler nos cases et avoir quand même une ville avec une protection. Comment dire? Une production décente. Donc là, plus à la production des villes. Ça c'est cool. On va les visiter en bas là, voir s'il y a. On va voir dans également combien on va choper de fer. Alors il nous reste quoi à visiter en bas? En fait on a fait le tour en bas, donc là il va falloir faire plein de petites villes partout, le maximum. Limite emprisonner Karakoum, on n'a rien à foutre, c'est un bot. Non, il n'y a pas de spoil, hein. La technique c'est pas... C'est une technique qui est connue, c'est une technique qui... Y a pas de spoil pour en parler, hein. T'inquiète pas pour ça. Donc 75. Donc là une ressource en plus. Dans un tour on va voir si on gagne du fer. Alors on aimerait bien du fer sur la map, ce serait bien 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 cool. Alors est-ce qu'on chope du fer dans notre capitale?
elle est trop loin. Ça en fait une pour ici. Alors là, on peut, si on fait notre ville ici, par exemple, on chope deux de fois en plus. Ici, on peut en avoir aussi également une de plus. Toujours ça de prix, hein. Là, on peut faire une ville également. Et là, ok. Donc en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de fois. Là, en fait, il faut absolument qu'on aille rush ça en premier. Donc là, ce sera notre. Déjà, en 7 tours, on va pouvoir avoir notre colon qui ira avec notre lancier. Découvrir la vie. On va partir sur ça. Et faire Stone Age. Il nous faut vraiment beaucoup de fois en fait. On génère plein de villes et beaucoup de fois. C'est la strat. Donc Stone Age obligatoirement. Déjà tour 21. Oh non, je crois que mon jeu a planté. Ok, mon jeu a planté. Je crois que c'est pas le soir. À moins que si je reste là, ça continue à tourner. En fait, faut pas que je vais te fermer le programme, c'est tout. Peut-être que ça va continuer. Non, ça s'est fermé. Fin d'histoire. Ok. C'est dommage, on avait une bonne partie là. Là, c'est dur. Franchement, c'est dur. Bon, je n'arrête pas de planter. En fait, le truc, c'est que si vous bougez un peu trop pendant. Comment dire? Pendant le tour et vous dézoomez, des fois, ça fait planter le jeu. Je sais pas pourquoi. Le jeu est pas vraiment fiable au niveau de ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que bon, j'ai joué, ouais, j'ai joué avec mon jeu du cœur là. Je vais arrêter un peu ci pour ce soir. Je vais faire un peu de mêlée en ligne. Super Smash Bros. Mêlée. Comment dire?